Jeanne est chercheuse en sciences cognitives, un domaine à la croisée des disciplines. Neurologie, philosophie, linguistique, sciences de l'information. Son objectif ? Percer les mystères de la pensée. Celle des humains, des autres animaux ou même celle des intelligences artificielles. Pour cela, elle doit trouver un moyen de comprendre comment le cerveau fonctionne. La première façon d'observer le cerveau présente un inconvénient majeur. Elle nécessite d'extraire le cerveau de la boîte crânienne pour le disséquer. En général, le cerveau n'est donc plus en activité et la personne à qui il appartient, plus de ce monde. Cette méthode n'est pas nouvelle. En 163, le médecin romain Claude Galien procédait déjà à des dissections publiques sur le cerveau. Grâce à la dissection, on a pu se faire une bonne idée de la forme du cerveau et bien plus tard de sa structure. Au début des années 1900, on a notamment compris le rôle que jouaient les neurones. Parfois, la recherche a progressé par accident, littéralement. Des personnes blessées à la tête perdaient l'usage de la parole ou la mémoire des visages, par exemple. On parvenait ainsi à comprendre quelle zone du cerveau est liée à telle ou telle activité. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'attendre un accident pour observer le cerveau. Et surtout, on peut l'observer lorsqu'il fonctionne encore. Une des premières techniques mises au point pour analyser le fonctionnement du cerveau est l'électroencéphalographie. Si le mot est compliqué, la technique est assez simple. Elle consiste simplement à mesurer l'activité électrique de surface du cerveau. Les cellules du cerveau, les neurones, transmettent en effet les informations sous forme de signaux électriques. Grâce à l'électroencéphalographie, Jeanne peut observer l'activité cérébrale d'une personne et comment elle est modifiée quand cette personne résout un problème de maths, bouge son petit orteil ou mange un citron. Pour aller plus loin, Jeanne peut aussi utiliser l'imagerie cérébrale. Il en existe plusieurs types, mais nous allons parler de la plus connue, l'IRMF. L'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMF, est une technique un peu compliquée. Lorsqu'une zone du cerveau est utilisée, les neurones de cette zone consomment un peu plus d'oxygène et le flux sanguin augmente. Ce sont ces effets qui sont mesurés indirectement par l'IRMF. Elle permet de visualiser très précisément quelles zones du cerveau sont activées lorsqu'une personne effectue telle ou telle tâche. On peut ainsi étudier en détail le fonctionnement du cerveau. Aujourd'hui, certains chercheurs essaient aussi de simuler le cerveau sur ordinateur. Ils pourraient ainsi comprendre comment se forment les pensées et développer de nouvelles thérapies pour les maladies neurologiques. Malgré toutes ces avancées, le cerveau demeure un mystère. On ne sait pas comment la mémoire fonctionne exactement ni comment une pensée se forme. Mais nous le saurons sans doute un jour. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les liens suivants. Bonne exploration !